On est parti pour un petit stream détente, on va appeler ça un stream détente. J'avais parlé de ce jeu il y a très longtemps, je pense déjà que merdouille. Faut que j'en mette ça aussi. Mélangeur de volume. Je vais essayer, voilà, Virtual Boy. Je vais essayer de baisser le son quand même le plus possible. Je pense qu'à la moitié ça devrait aller. Le plus important c'est vraiment pas trop le son. Après je pourrais le paramétrer sur le jeu, mais voilà. Voilà, je pense que ça devrait être mieux. Donc, on est parti pour un stream détente, qui n'en est pas vraiment un, puisque vous savez, c'est un jeu infogramme. Un petit peu de rétro, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, comme j'ai dit, j'en avais parlé beaucoup, notamment sur Genshin, pas mal de blagues concernant ce jeu. Je pense qu'il était peut-être temps pour moi de lancer pour vous. Donc, Tintin au Tibet, Tony Boy, je joue sur émulateur et comment on peut... ma tradition, quand je joue sur l'émulateur, je dois vous montrer une preuve pour prouver que je peux installer un petit peu. Voilà. Ah, on voit quand même un petit peu. Et là, c'est la version Game Boy. Alors, petite précision, j'en avais parlé juste avant. Pendant la semaine. Ce jeu ne m'appartient pas, en fait. Mais elle est en ma possession depuis très longtemps. C'est pas que j'ai volé quoi que ce soit, je peux la donner à la personne. Le jeu en fait appartient ni plus ni moins qu'à ma sœur. Moi je possède un jeu. Je te jure que j'ai baissé le son hein. On va mettre à 25. Tac. Bon après c'est l'émulateur Game Boy. Ah, est-ce qu'on est bon? Merci à toi papa, c'est mieux que je disais avant de commencer le rec. Donc je disais voilà, le Tintin au Tibet, ça appartient à ma sœur. Moi. Au même moment, quand ma soeur a eu ce jeu, moi j'ai eu celui-là. Donc c'est un Astérix et Obélix sur Game Boy. Pas la version la plus connue, hein. Il y en a beaucoup qui pensent à une autre version un peu plus difficile. C'est à 25. Faut que j'en baisse encore. On est bon, on est pas bon. Bon après j'ai juste à faire ça. On n'entend plus rien. C'est vrai que le son du... Ah merde, faut pas oublier que c'est le... Ah, faut juste que je me rappelle un petit peu des touches. je vais le faire... Ouais, on va se permettre des trucs. Bon, je vais expliquer tout ça. Baisse. Bon, je le mets à 15%. Merde, putain, deux fois. Je mets à 15% et après ça commence à être un peu abusé quand même. Je suis à 15%. Là faut le faire exprès, là même, je vois même le deck top audio qui a jamais été aussi bas. Donc normalement, on est bon. Nickel, ok. Alors, juste voilà, comme ça j'ai enlevé le son. Donc, je me répète à nouveau, donc le Tintin au Tibet ne m'appartient pas, elle appartient à ma sœur, c'est normal. Parce que moi, au même moment, j'avais Astérix et Obélix. Et qu'en fait, ces deux jeux, on les a eus il y a très longtemps, bah, quand il y avait la Game Boy, hein, évidemment. En même temps que la Game Boy, oui. C'est les tout premiers jeux que ma sœur et moi avions eu tous les deux avec la Game Boy. Donc, nos deux tout premiers jeux. Donc, peut-être qu'à l'occasion, je ferai l'Astérix et Obélix, mais... Celui qui est le plus mémorable, c'est le Tintin au Tibet, à cause notamment d'un certain JDG, qui lui a joué sur Mega Drive. Et je vais déjà préciser une chose, j'ai quand même eu beaucoup de chance de découvrir ce jeu sur Game Boy, parce que la version Game Boy est
beaucoup plus simple que la version Mega Drive. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le faire. Vous avez remarqué discrètement, je l'ai mis en difficulté facile parce que mon objectif c'est de finir le jeu ce soir. Donc j'ai à peu près 2h30, 3h. Je vais mettre un petit peu plus de temps, c'est pas très grave. Vous inquiétez pas, quand j'étais petit, il faut savoir que je l'ai fini qu'une seule fois en mode difficile. Mais entre le facile et le difficile, il y a quelques différences. Je vous expliquerai au fur et à mesure de mémoire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas touché à ce jeu. Mais je tiens à préciser que si j'avais l'occasion, je pourrais jouer avec la Game Boy et même la Game Boy Color, parce que plus tard j'ai eu la Game Boy Color. C'est pour ça que j'ai pu jouer Oracle of Age. Hein. Référence au Let's Play d'Oracle of Age. Et donc, bah, nous, on avait une particularité, c'est que derrière, on savait par rapport au numéro de série des Game Boy, quel Game Boy appartenait à qui. Donc ma sœur, du coup, est partie en me laissant justement ce jeu. Sans vraiment, même si en vrai elle s'en fiche, hein, en gros, je dis que ce jeu n'est pas à moi parce que voilà, mais ma sœur accepterait volontiers de dire que ce jeu m'appartient maintenant, parce qu'elle s'en fiche un peu. Mais ça reste quand même son jeu officiellement, je n'ai jamais considéré comme acquis ce jeu. Mais en tout cas, actuellement, il est en ma possession, ça veut dire que sur l'émulateur, je peux y jouer. Parce que j'ai une cartouche du jeu qui fonctionne très bien, je peux le tester, il n'y a pas de problème. Voilà! Donc je vais pouvoir lancer le jeu. Alors précision, c'est pas parce qu'il est plus simple que Mega Drive que je vais pas trop galérer parce que comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Et je sais qu'il va y avoir des passages à problème. Par chance, on est sur émulateur et sur émulateur, je pourrais faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire sur la Game Boy, à savoir des sauvegardes rapides. Mais je vais essayer d'en abuser le moins et en même temps que de présenter le jeu. Je vais vous dire tous les calvaires que j'ai eu quand j'étais petit parce qu'il y a des trucs qui étaient compréhensibles et d'autres non. Voilà. Alors, petite précision déjà sur le code. Parce que je me rappelle tellement du code. Retenez pour beaucoup plus tard. Le jeu est séparé en trois parties en fait. Et entre chaque partie, il y a un code. Donc en fait, si vous voulez progresser dans le jeu, vous allez apprendre deux codes. Par difficulté. Au total, il y a six codes au total. Et moi, ce que je me rappelais surtout, c'est pas les numéros. Moi, je faisais surtout O, O, double O, double O et bas. Voilà, retenez ce mot de passe. Je vais pas le faire, parce que sinon, je vais être transféré à un niveau. Le but, c'est que je vous montre le niveau avancé. Donc, on va tricher comme ça. Et c'est pas bon. C'est parti! Il n'y a pas trop de musique par rapport. Et je trouve que la BO de la Game Boy est plus sympa. Donc en Chine, un train longe le Yangtze-Kiang. Tintin se rend à Oukou. Alors je sais pas si les noms c'est bon. Soudain, le convoi s'immobilise. Alors déjà, première précision, bon, je suis en train de jouer sur Game Boy, donc ça va être en noir et blanc, je suis désolé. Et déjà, par rapport à la Mega Drive, parce que j'ai aussi comparé un petit peu à la Mega Drive, alors il faut savoir que la version Mega Drive, je connais que de la critique de JDG, qui est, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième épisode, parce que je crois qu'il y avait un bail avec Senseiya sur NES, dans lequel il y en a un qui l'avait fait avant l'autre, et finalement il a présenté... Il a présenté l'inverse, mais bon, ça faudrait revoir avec lui parce que ça fait longtemps qu'il avait fait ses vidéos, c'était ses premières vidéos. Même si j'ai découvert beaucoup plus tard, comme une grande majorité de personnes, quand il a explosé, c'est à savoir quand il a fait Dragon Ball. Mais Tintin, c'est un des tout premiers qu'il a présenté. Et donc, déjà, première différence avec la Mega Drive qui a son importance majeure, sur Game Boy, il n'y a pas de limite de temps. Pour les intégralités de niveau. Vous allez voir qu'il va y avoir des moments où il va y avoir une petite contrainte de temps de temps en temps. Mais là, ça va, j'ai tout le temps. Deuxième point important, il n'y a pas l'effet double plan. C'est-à-dire que généralement le jeu fonctionne en arrière-plan sur Mega Drive. Et de temps en temps, il fallait appuyer sur bas pour permettre à Tintin de passer en premier plan, si je ne me trompe pas, ou une autre touche, je ne sais pas. J'ai jamais touché une Mega Drive. Enfin, je pense que si, mais ça fait tellement longtemps que. Mais en tout cas, j'ai jamais joué à Tintin comme ça. Sur ce jeu-là, il n'y en a pas, donc du coup, ça facilite pas mal le truc. Hein. Il était limité. Dernier point, comme j'ai dit, si vous faites la comparaison entre la BO de la Game Boy et la Mega Drive, du peu que j'ai entendu, la BO de la Game Boy est juste excellente par rapport à la Mega Drive.
Alors, la touche B, la touche A, c'est ça. Et les touches fléchées, c'est le plus important. Et déjà, on s'est déjà maltraité. Par les visiteurs qui me balancent des colis, je sais pas quoi. On va y aller doucement. Alors déjà, première différence entre la version facile et le niveau difficile, pardon. Normalement, je me fais plus harceler que ça. Hein. Il y a plus d'ennemis, il y a plus d'obstacles. Surtout des obstacles, c'est pas des ennemis en vrai. Il y a moins de vies disponibles et dispatchées. Il y a des vies qui disparaissent. Il y a des pommes qui disparaissent, vous allez voir. Et là, déjà, premier truc de gameplay. Ramasser les objets en appuyant sur bas. Ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de découvrir que ça se soulevait. Et c'est pourtant le truc de base. Hein. Mais pour le premier niveau, tu fais pas attention qu'il y a une caisse au milieu, du coup tu la ramasses pas. Et quand tu arrives là, ben, tu te prends des dégâts inutiles. Donc évidemment, quand vous ramassez les objets, vous êtes obligé de marcher. Parce que dès que vous courez, ça disparaît. Donc pour l'instant, c'est pas très grave. Quand vous appuyez sur B, qui est tout pour rien. Eh ben, je me fais quand même toucher, c'est pas grave. Donc là, déjà, une pomme. Alors là, normalement, il y avait quelque chose sur la Megadrive, mais là, il n'y a pas. Et la première difficulté, les sauts. Là, en plus, en facile, il est sympa, il a mis ça, mais en difficile, il n'y a pas. Et autre chose, alors je sais plus si c'est A plus... donc c'est B, peut-être. B plus bas me permet de voir le dessous. Alors que le truc est... Alors, vous allez voir qu'au début, le jeu est sympa, mais petit à petit... ça va être des sauts de l'ange. Pour l'instant, c'est le premier niveau, donc c'est que du tout droit. Enfin, j'ai pas trop perdu la main, mais d'habitude, je mourrais facilement la première fois. Alors, vous avez vu le truc, le petit trail là, comme ça. On marche dessus, on remarche dessus. J'aurais dû sauvegarder à chaque niveau quand même. Alors, on en est où? On est bientôt arrivé. Oh non, ça c'est automatique. Ah, ça c'était le premier niveau. Deuxième niveau, on enchaîne. Niveau de nage de merde, avec des obstacles qui arrivent par derrière, par devant, de partout. Et c'est à défilement, ça veut dire que si je sors de l'écran à droite, je meurs. Surtout écrasé par les rondins et les ravarouchés, comme ça, exactement. Ça, le jeu est vraiment sympa, parce qu'en vrai, il y a parfois du triple obstacle et tout. Ça se voit que c'est en facile, hein, parce que franchement, en dur, il y a vraiment... Ouf, ça va, attends, je me suis fait taper. Je ne me rappelais plus qu'il était aussi long. Hop, voilà, déjà deux niveaux. Ça va très vite. Pour l'instant, ça va très vite. Après, ça va être long. Donc, pour ceux qui connaissent l'album Tintin au Tibet, ils ont fait un petit flashback d'une autre aventure exprès pour raconter quelque chose. Hein. Donc, on va découvrir. Eh bien, ça va. Ça va mieux. Comment t'appelles-tu? Moi, je me nomme Tintin. Moi, c'est Chang. Et voilà, capitaine, comment j'ai rencontré mon ami Chang. Donc, pour rappel, voilà, c'est un petit flashback pour dire l'intrigue, en quelque sorte, hein, pour Tintin au Tibet. Il fallait quand même rappeler comment Tintin a rencontré Chang. Donc, il était obligé de faire ça pour les deux premiers niveaux. Et en fait, je vous raconte juste que... Je sais pas si vous... Je vais voir dans ce niveau-là, parce que dans ce niveau, c'est là où l'intrigue va vraiment commencer. Mais pour ceux qui ont suivi, le fait que Tintin a sauvé Chang de la noyade, ça vient pas de Tintin au Tibet, ça vient de... Alors, c'est pas les 7 trucs de cristal, je crois que c'est... Juste après, c'est... Ah, j'ai perdu le nom. Ça fait 7 boules de cristal, c'est le temple du soleil. Je crois que c'est dans celui-là. C'est l'un ou l'autre, c'est sûr, parce que c'est dans la continuité. Et là, on va commencer à voir le premier obstacle abusé du jeu. Les voilà. Bon, j'ai déjà bien parodié ça quand j'ai vu ça, qu'il y avait la même chose encore plus hardcore sur Mega Drive. J'étais en mode, ah ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, je comprenais pas comment on passe ces trucs. Dès que tu te prends le plateau, ben tu te fais dézinguer, donc du coup tu te dis bah si tu touches le serveur, ben tu te prends des dégâts, et du coup généralement je le faisais comme ça. Alors par contre je vais juste me permettre un truc. Save. Save, save, save comme ça. Voilà.
Enfin, j'ai une sauvegarde, au cas où. Désolé, je vais abuser de ça, mais le but c'est de finir en 3 heures. Donc voilà, quand j'étais petit, c'est comme ça que je l'ai passé. Bon, évidemment, je me fais toucher maintenant parce que j'ai perdu le skill, mais généralement, si vous êtes ultra précis, il n'y a pas de problème. Mais il se trouve que ces serveurs, en fait, pour le prochain niveau, en fait, tu vas découvrir que tu peux passer par en dessous. Donc les plateaux, c'est pas bon. Les serveurs, il n'y a pas de problème. Comment tu peux savoir ça? Ben, avec de la chance, j'ai envie de dire, mais c'est surtout au prochain niveau que tu le découvres. Après, il faut bien se mettre parce que si tu te mets, par exemple, ici, je crois, et que tu veux continuer, ben, il va se retourner tout de suite. Donc, faut bien se placer. Alors maintenant, je connais la suite. Ding, 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 ding. Oh, tous les obstacles de partout. Faut que je fasse gaffe. Je crois qu'il n'y a rien ici. Ah, c'est pas là. L'autre côté! Une lettre est arrivée pour vous. Je l'ai confiée au capitaine Haddock. Je l'ai vue dans le restaurant. Et donc, c'est le principe de ce niveau. Avez-vous vu le capitaine Haddock? Ouais, dans le restaurant. Donc maintenant, c'est... on a vu le capitaine Haddock au restaurant au début. Alors, c'est encore pire parce que là, il est en train de se payer ma tête. Tout le niveau va être basé sur trouver le capitaine Haddock. Et il y a un autre truc à trouver dans ce niveau et c'est tout. J'ai le reset, hein, je suis désolé. Là, je connais par cœur. Au restaurant, il peut pas être là. Avez-vous vu le capitaine Haddock? Quand tu connais ça, tu sais exactement où aller. Enfin, je l'ai pas oublié. Je joue tellement safe. Bonjour, vous avez vu le capitaine Haddock? Deuxième étage, ok. Et après, je sais plus. Alors, c'est aléatoire à partir de maintenant. Donc, on va me faire balader dans tous les étages. Donc, deuxième étage, c'est parti. Et je vais le faire dans l'ordre capitaine Haddock et après le truc, mais vous pouvez aussi faire con. Alors on a dit deuxième étage. Et donc si vous vous trompez d'étage et que vous parlez à la personne dit « Ah non, je l'ai pas vu ». Et un peu plus tard, elle va dire « Ah bah si, je l'ai vu ». Par contre, je sais pas où est la personne. Voilà, en tout cas. Chambre 2. Chambre 3. Il n'y a rien. On va aller de l'autre côté. Évidemment, là, il y a un petit chien. Vous entendez le chien qui était ouf? Comment ça manquait de pommes quand même. J'ai vu le capitaine Haddock. Troisième étage, allez, juste au-dessus. Ah, que je fouille un petit peu les étages. J'ai un peu peur quand même. Il n'y a rien sur le côté. Encore un chien. J'ai vu le capitaine Haddock. Premier étage, chambre 5, ça y est. Normalement, on y arrive. T'as dit premier étage, chambre 5, on est d'accord. Ouais. Oula. Je sais plus s'il y a une pomme, je sais plus où il est. Chambre 5, c'est à droite. Chambre 4, chambre 5, nickel. Bon, c'était rapide, ça me paraissait plus long. Tintin, j'ai une lettre de Hong Kong pour vous. Merci, Capitaine. C'est Chang, quelle coïncidence! Oui, évidemment. Et que vous veut votre Chang? Chang, Capitaine, il m'annonce son arrivée. Après une escale à Katmandou. Chang arrive, c'est magnifique. Ouais, je suis content. Donc voilà. Donc, l'histoire se passe exactement comme ça. Tintin explique Capitaine Haddock qui est Chang, etc. Et en parallèle, ben, Chang arrive. Passer faire un petit coucou après tout ce temps. Sauf que si c'était si simple. Putain, c'est un serveur en plus là. Alors je vais juste vérifier s'il n'y a pas. Là je vous montre tout le niveau. Non, il n'y a pas de pomme ici. Il n'y a pas de vie non plus. On peut avoir des vies. Hein. J'ai que 3 vies, c'est pas beaucoup. Et donc là, je vous spoil la fin. Il faut aller au quatrième étage. À droite, mais je vais aller à gauche pour voir s'il n'y a pas au moins une pomme. Où est-ce que tu... J'entends pas les ennemis, ça m'énerve.
cause de la musique. Ah si, on l'entend quand même. Obligé de monter un petit peu parce que j'entends pas les chiens. Ok, c'est bon. Je vérifie quand même si rien. Désolé pour la frayeur, ça fait longtemps. Le DC-3 à destination de Katmandou s'est écrasé au Népal. Les sauveteurs ont peu d'espoir de retrouver des survivants. Mais cet avion, c'est celui de Chang, mon pauvre Chang. J'ai besoin d'être seul un moment, je vais dans ma chambre. Donc Chang était censé arriver et son avion a crashé au Népal. Peu d'espoir de survivants. Plus tard. Alors ça, quand même, faut le faire dans l'album parce que c'est exactement ce qui se passe. Il dort, il a un flashback de Chang dans la neige avec les débris de l'avion. Chang, Chang est vivant. Je pars pour le Népal. Trois jours plus tard, Tintin et Haddock arrivent à Katmandou. Ok, c'est bon. Alors, normalement, on devrait voir la différence entre les deux. Même pas. Putain, on le voit pas en or. J'ai l'inversion couleur. Donc là, ça commence à partir en cacahuète. Ah, il y a ça en plus. Sauvegarde! C'est parmi les derniers niveaux avant vraiment les ennuis. Donc ça me poursuit. Il y a les sacs, si je fais pas attention, ça réapparaît. Faut faire gaffe. Ah, si je joue un petit peu avec ça, je peux aussi faire ça. Attention les oreilles. Ah, on n'entend pas bien. On n'entend pas le son, hein. Vous entendez? C'est horrible parce que j'entends pas très bien. Et donc voilà le problème, c'est les serveurs qui passaient par-dessus quand j'étais petit, ça allait, mais ça, je me prenais toujours des dégâts. Parce que j'avais toujours pas compris le principe jusqu'à un moment donné où le jeu n'est pas méchant au point de prendre des dégâts automatiques. Donc même principe. C'est la dernière fois qu'on nous fait le coup de pute comme ça. Pourriez-vous m'indiquer une boutique tenue par un chinois? Une boutique? Pourquoi ça? Mon fils va vous y conduire. Donc là, faut parler au... Alors, je sais pas comment Tintin va faire pour reconnaître le fils de ce gars. Et bon, pourquoi pas. Ah ! Oui, c'est sympa. Alors, au moins dans ce Tintin au Tibet là, il n'y a pas de petite clochette de merde ou quoi que ce soit, donc c'est quasiment gratuit. Hein. Alors le fiston il est. Merde. Il est au-dessus. Il est juste là. Pourriez-vous m'indiquer une boutique tenue par un chinois? Oui, suis-moi. Et malheureusement, je peux pas le suivre. Alors précision aussi pour le mode difficile, à part le fait que y a plus d'obstacles tout ça, donc je me balade beaucoup moins facilement. Il y a moins de vie aussi. Parce que là j'ai 4 PV normalement. Là on voit bien la différence. Normalement, si je me trompe pas. Ah, ça va être chiant. C'est une vie. Ça va bien. Chercher une pomme en fait. Alors, ce qui m'intéresse, c'est en bas. Ah, arrêtez de me poursuivre, vous. Je me poursuis jusque là. Bon, ça va, au bout d'un moment, il dit stop. Et on va arriver au niveau. What the fuck? Heureusement on est en facile parce que là à partir de là le mode difficile c'est vraiment dur.
Donc Tintin appelle Milou. Aide-moi à retrouver le fils du potier. Mais avant de trouver le fils du potier, il faudrait peut-être qu'il flaire le fils du potier. Donc on va retourner là où il y a le ballon qu'il a laissé. Et ça, tu le découvres toi-même, tu te débrouilles. Tu te balades dans le niveau jusqu'à ce que tu comprends. Ah bon, je voudrais vérifier à gauche et à droite s'il n'y a pas... Là, il n'y a rien, mais à droite, il y a peut-être une pomme sûre, là. Oh putain, il y a carrément ça! Les vaches! Moi qui ai une pomme au fond. J'ai besoin d'une pomme, là, j'ai plus de vie. Oh, une pomme. Une pomme! Au moins une fois par jour. Petit lag. Un jeu Game Boy? Tu sais, ça va pas bien. Pas que je lag pas trop, hein, parce qu'il rec, hein, tout ça. Allez, demi-tour, voilà! Merde! Pas grave. Alors, le niveau est en deux parties, ça c'était le niveau 4. Je vais sauvegarder maintenant parce que j'arrive au niveau de la babale normalement. On va passer au niveau 5 et là je vais me concentrer un peu parce que là on va arriver sur le premier moment délicat. En facile ça devrait aller. Ah c'est pas là. Non c'est pas là. C'est pas là. On va redescendre. Il faut éviter les... Oh putain. Bon, ça c'est plus simple maintenant. Avant c'était dur mais maintenant c'est plus simple. Vous croyez bien que j'ai essayé d'éviter le plus possible ces ennemis, non? Maintenant que j'ai compris le coup de main, il n'y a pas de problème. Deuxième sauvegarde. Je ne rappelle pas que le niveau était aussi grand. C'est drôle parce que juste après le prochain niveau, il y a le premier code. Allez, c'est parti, renique-moi ça. Attention, c'est parti! Facile ça va. La boutique du chinois Linkin est là. Une des meilleures. Je trouve que c'est la meilleure musique. Voilà, normalement je peux plus perdre. Mais il faut savoir qu'en mode difficile, une autre différence. Vous voyez le défilement qu'a fait Milou là? Ça va. En mode difficile, t'as aucun répit. C'est-à-dire tu ralentis ne serait-ce qu'une seconde comme je l'ai fait, t'es mort. Voilà pourquoi je veux pas le faire en dur. Vous me cherchez? Oui monsieur, je suis un ami de Chang. Des amis de Chang? Hélas, il est mort. Mais je crois qu'il n'est pas mort. Connaissez-vous un Sherpa pour partir à sa recherche? Pourquoi pas? Pourquoi pas Tarkei? C'est le meilleur. Donc premier code, donc difficulté facile, 4, 1, 2, 5, 3. Vous pouvez constater que les codes c'est que des nombres différents. Que vous pouvez pas vous tromper si vous avez deux fois le même numéro, c'est pas normal. Donc évidemment, il lui faut un guide pour aller revoir. On en est là en fait. Pour pouvoir monter à la montagne, là où avait crashé l'avion, il faut un guide de montagne. Donc voilà. Donc faut le convaincre. Je suis convaincu que Chang n'est pas mort. Il me faudrait un guide expérimenté pour le retrouver. Moi était là-haut, moi vu avion cassé, plus personne vivant, toi trop jeune pour mourir aussi. Je suis certain que Chang n'est pas mort.
D'accord. Moi, toi, partir. Dans 3 jours. Sauvegarde rapide. J'ai pas de code, mais j'ai des sauvegardes rapides. Je vais le faire à peu près à tous les niveaux. Alors, à partir de maintenant, les sauts, t'es poil de cul. C'est-à-dire, tu te plantes, t'es mort. Parce qu'à maintenant, c'était sympa, mais maintenant, il y a des trous partout parce qu'on va commencer à grimper la montagne. Et comme vous pouvez voir, on commence à avoir des trucs en mode penché. Je me rappelle, voilà. Oui, il va y avoir que des pièges comme ça maintenant. Donc, on a des bisons. Donc là, le jeu ne rigole déjà plus. Ça, je me rappelle assez bien. Ce qu'il y a là-bas. On fait pour monter déjà là-haut. Je sais plus. Ah oui, non, le. Je vais essayer de l'atteindre, mais je pense que je peux pas. Ah, c'est ça. L'herbe fraîche attire le yak. Voilà, donc ça, c'est un indice de merde. Pour vous expliquer un truc, vous allez voir. Alors, je sais plus si c'est là ou pas. Je vais vous montrer en fait. C'est la première partie du niveau. Il y a un yak ici. Et ce yak, il fait très mal. Il ne bouge pas et j'ai besoin d'aller là-haut en fait. Donc, pour aller là-haut, il me faut de l'herbe. Mais de l'herbe, il y en a partout. Même si c'est en noir et blanc, ça c'est de l'herbe. Mais il faut de la vraie herbe fraîche. Et je crois que c'est là-bas. Ah, c'est juste là. Là, c'est une rampe qui me fait glisser. C'est très important. Il y a des rampes comme ça, il va y en avoir quelques-uns. Ah. Par contre, je sais plus s'il y a autant d'obstacles ou pas ici. Je m'en rappelle. Alors évidemment, je rappelle, quand je tenais un objet, ne pas courir parce que sinon vous perdez l'objet. Donc du coup, vous êtes obligé de marcher et de franchir les obstacles. Oui, je vais galérer, je le sens. J'ai de beaux restes quand même. Alors là, par contre, faut vraiment le mettre le plus loin possible. Et puis là, on grimpe. J'ai tellement envie de sauvegarder là, mais on va la faire les dupes. Là, l'objectif, c'est de sauter là-haut. Trop tôt. Ça commence. Bon, ce qui est bien, c'est que. Bon, on va dire que j'ai perdu une vie, mais la prochaine, je fais un chargement rapide. On a le temps, on a encore 2 heures. La deuxième partie. Allez! Y'a quoi ici après? Bon, l'herbe fraîche, on n'a pas besoin de le savoir. Hein. Borette, il faut que je perde une vie comme ça. Et encore ça va, c'est que le premier niveau d'une longue série de niveaux comme ça. La montagne, on va la monter, mais vraiment monter. Hein. Trop tôt. C'est bon. La difficulté facile. Je pense qu'on va commencer. Hop, une vie. Alors sachant que si je recommence le niveau, il n'y a plus la vie, donc c'est fini. Maintenant, on va commencer les sauts de l'ange. Ne pas redescendre parce que sinon je me retape l'herbe et je me retape tout. Donc attention, c'est un labyrinthe, hein. Faut pas l'oublier. Là, ça va. Attention de piège. Et doucement. On regarde ce qu'il y a en dessous. J'espère que vous aimez la musique parce que moi je l'aime bien. Surtout cette musique-là, on va l'entendre parce que sur Genshin, j'ai un peu parodié avec cette musique sur un autre niveau parce qu'on va justement réentendre cette musique. Sur mon niveau préféré en plus, mais c'est bien plus tard dans le jeu. Les sauts de l'ange là. Des repères, j'ai mon repère, c'est le petit truc en bas à droite. Je vous montre, c'est ça le repère. On a de la chance que le saut de l'ange nécessite un petit repère. On voit pas très bien quand on fait le saut. Hein. Alors monter, je crois que ça pue, faut passer par là d'abord. J'étais à 2 doigts de tomber. Pour l'instant, je la fais legit, j'essaie de faire le niveau de A à Z, mais si je vois que c'est trop dur. Donc là, encore un yak qui me gêne, donc il va falloir de l'herbe. Alors là, on va arriver vraiment sur les sauts d'FDP. J'ai horreur de ce saut. C'est vraiment. Je flippe un peu, c'est pour ça.
Alors par contre, je sais plus du tout si descendre comme ça, je meurs, ou si je dois passer comme ça. Je pense que si je peux passer... Je pense que je peux descendre direct. Hein. Ouais, alors, faut préciser que si vous sautez de trop haut, vous mourrez. Fais-moi monter. Tu vas pas me dire qu'il fallait que je saute comme ça depuis le début. C'est quoi? Hop. Ouais, attends, t'es comme ça. Désolé, je dois refaire le saut que j'ai peur. Ça m'a traumatisé ce saut, d'accord? La preuve. Merde. C'est bon, je l'ai. Ça va, il me laisse un petit peu. Attention les sauts. Ça va, à partir de là, je suis tranquille. La fin, c'est la voix. Oh, les réflexes. On peut se regarder là parce qu'il est chiant ce saut aussi. Alors là, on arrive à la scène où Milou se noie, enfin commence à se noyer, et c'est le dernier niveau durant lequel je vais avoir droit à ce truc de nage. Mais je précisais, il y a une différence entre ce niveau de nage et l'autre. Et je peux vous dire, ça aussi c'est fourbe. Fallait faire attention, hein. Regardez où est Tintin. Il est sur des rochers, d'accord. Retenez-le, c'est important, parce que dans le niveau, rappelez-vous, au tout premier niveau, je devais que esquiver les obstacles, etc. Là, c'est important. Alors, c'est vraiment difficile, il y a des tourbillons partout, c'est un cauchemar ce niveau. Tous les niveaux sont cauchemardesques, hein. C'est un jeu infogramme aussi. Donc là, voilà. C'est la seule différence, et c'est très important. Il n'y a pas que des petits rochers comme ça. Et comment tu peux le savoir? Eh ben, j'ai un infogramme. Si tu ne le testes pas, tu ne sauras jamais. Et voilà, le problème, c'est que là, pour l'instant, ça va. Le jeu est sympa. Tu peux esquiver. Tu peux passer par en dessous. Mais là, vous pouvez voir que je peux passer par-dessus les rondins. Sinon, je peux pas. Hein. Je suis obligé de passer par un rocher comme ça. Évidemment, il va arriver à un passage où il va te dire « Ah bah, depuis le début, tu pouvais sauter comme ça. » Du coup, ça fait des petites pauses comme ça. Hop là, et voilà le deuxième type de rocher. Ça, c'est vraiment coup de pute. Alors évidemment, si je tombe mal et que, par exemple, je me retrouve derrière le rondin de bois, là, bah, je suis bloqué, je peux pas faire marche arrière. C'est vraiment du tout droit. Hein. Je vais passer comme ça. Non, fais gaffe. Tourbilol, tourbilol. Fais attention aux branches qui arrivent par derrière. Je peux pas faire marche arrière, hein, je rappelle. C'est compliqué. C'est comme ça. Oh, celui-là, j'avais intérêt à le faire, je crois. Non, ça va encore. Il y a encore double branche, donc ça va. Mais après, c'est tolérance zéro. Donc, je prends le tourbillol. Là, ça va. Bon, attention, c'est là. Voilà. Là, si tu faisais pas attention que tu pouvais grimper sur les trucs, bah, tu perdais une vie. Voilà, ça fait pas au-dessus. Vie, 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 c'est pour moi la vie. Non, va pas si, il remonte! Mauvaise idée d'avoir fait ça. Wouh, esquive. Au-dessus. Oh, la luck. Attends, t'es de la luck. Hein. Il y a un mode, on arrive presque à la fin. Normalement. On est à la fin. Pour l'instant, ça va. Il vit en plus. Mais voilà, on se repose pas sur nos lauriers. Ah. Encore un niveau que j'aime bien, mais disons que la version Game Boy est beaucoup plus sympa que la version Mega Drive. Ça, c'est cool. Tout va bien. Prends garde, Saïb. La pente est raide. Vous vous souvenez de la scène, pour ceux qui ont vu l'anime Tintin au Tibet, parce qu'il est sur l'anime. Moi, j'ai pas lu l'album, mais ça représente très bien.
Vous vous souvenez qu'il y a un moment donné dans la descente ou de la montée, des sortes de trucs sacrés, des sortes de... C'est pas des statues, mais des autels, dans lequel t'as justement Tarek qui dit à Haddock toujours passer à gauche. Vous savez qu'il l'avait fait sur la Mega Drive pour ceux qui ont suivi le critique de JDG et que si tu te plantes à aller à gauche, et ben tu meurs automatiquement. Et ben bienvenue sur Game Boy, tout ça vous l'avez pas. Ce que vous avez, c'est une succession de tableaux dans lequel Tintin tombe très très vite. Donc on va dire c'est une sorte d'auto-scrolling un peu spécial où je peux accélérer et ralentir. Et c'est à base de il faut accélérer au bon moment, ralentir au bon moment. C'est un bordel monstre, vous allez voir. Et heureusement, on est en facile, mais en difficile, disons que il y a juste le double de tableau. Là, je vais en avoir que 3, je crois. 3 ou 4. En difficile, il y a le double de tableau et ça se répète deux fois les trucs. En fait, c'est au début, c'est dans le même ordre qu'en facile, et après, ben, c'est le même truc, mais dans le désordre. Vous avez qu'à le faire en dur, hein. Moi, je le fais pas. Après, c'est parti. Merde. Fait longtemps! Ah, je me rappelais plus que j'ai une vie, ça c'est cool. Putain, fait deux fois. Ça me sert à avoir plus. Tcha! Normalement c'est fini. Bon là j'ai eu beaucoup de chance, sachant qu'il y a moins de PV, tout ça, et que derrière, il y a encore plus de tableaux. Il y a le double. Hein. On répète ce pattern que vous avez vu une deuxième fois, mais dans le désordre. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai moins de PV. Alors, on va arriver dans les deux niveaux les plus chiants, j'ai envie de dire. En vrai, il y en a trois, mais là, c'est vraiment les niveaux. Le jeu, il veut ta mort à partir de maintenant. Dans la série Retro Gaming, les niveaux de glace. Les niveaux de glace dans les Retro Gaming, c'est très simple. Regardez la différence. Ça glisse beaucoup. Vraiment beaucoup. Du coup, l'astuce c'est de s'arrêter en sautant. Vous avez mieux le contrôle parce que si vous faites ça ou que vous voulez faire de l'autre côté, vous avez vu. Donc le mieux, c'est de sauter. Au moins, vous avez le contrôle. Alors, je me rappelle plus du tout du niveau, donc là, ça va être rigolo. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Et je vais pas les entendre. Putain, ça va être chiant. Ouais, ça va être très chiant. Je les entends pas à cause de la musique. Non, ça va taper le truc. C'est pas très grave, ça te permet de descendre. Qu'il y a au-dessus. Je crois qu'il n'y a rien au-dessus. Il y a un attrape-couillon là-haut. Là, je vais arriver dans le truc. Et là-haut, c'est un attrape-couillon. En bas. Descends, 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 de l'autre côté. Je vais aller doucement parce que j'ai un peu de mal. T'aimes le jeu, t'aimes. On va arriver à des passages relous. Ça va, c'est le dernier vrai niveau où je vais avoir un peu de mal.
Putain, je l'avais. Allez, ça sera une tentative. Oh putain. Donc là-haut c'est pour que dalle. Putain, laisse-moi le temps. On est en dessous. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tout va bien, tout va bien. Il y aller très doucement. Là c'est pour gagner une vie mais on s'en fout hein. Ah non, c'est une pomme, on s'en fout un peu. J'ai pas envie de me redescendre et me retaper tout ça. Donc le but c'est de descendre là. Et là c'est pour remonter, voilà. Il va réapparaître hein. Où j'en suis. Le moindre coup, je recommence le niveau. Hein. Pour l'instant, ça va. Poutchou! Alors là-haut, c'est pour gagner une vie, je crois, ouais, donc on s'en bat les couilles. Et maintenant, le saut de la mort. L'un des sauts de la mort du jeu. Il n'y a plus de... Le saut de la mort. J'ai horreur de ça. Ouais, il y en a un autre! J'ai oublié. Ouah, c'est super! Bon, j'ai perdu que 2 vies. Pour l'instant, ça veut dire que j'ai quand même de très beaux restes. Mais là, on va arriver pour moi le niveau le plus dur du jeu. C'est de très loin le niveau le plus dur du jeu. Avec la musique qui stresse et tout en plus. Donc le niveau est en deux grandes parties en fait. Et j'ai pas beaucoup de vies. Alors, là-bas... Il y a de quoi récupérer une pomme, une vie, je sais pas quoi, mais on s'en fout. Très chiant à faire, c'est un bordel. J'en ai pas besoin vu que je suis en sauvegarde rapide et tout. Mais voilà. Donc je rappelle que si je perds toutes mes vies, je recommence à partir du code. Mais comme j'ai fait sauvegarde rapide, on va passer outre. Alors ici, tout veut ta peau. Hein. Donc on arrive dans l'histoire. On arrive enfin dans l'avion. Et donc on va fouiller l'avion pour voir si on retrouve Chang. Alors un sac, moi j'appelle ça un sac, je sais pas si c'est un piou-piou, je sais pas quoi, mais ça ressemble à un sac à dos plutôt, ou un sac de parachute, dans lequel on va pouvoir grimper au-dessus. Et ça va être important parce que sinon je peux pas passer le niveau. Alors on prend notre temps parce que ça, ça nous fait des dégâts. Le but c'est de mettre le sac le plus loin possible pour faire ce saut-là. Le réflexe. Oh là là. Vous entendez Milou? Que se passe-t-il?
Et là, on arrive à la deuxième partie avec plein de sauts de la mort de partout et un gros casse-tête à faire à base de sacs. Là, faut pas que je me plante, sinon je recommence tout à zéro. Ce sac, je vais en avoir besoin. Particularité avec les sacs. Bah, je vais pouvoir continuer le niveau comme ça. Vraiment, on est dans un niveau où ça glisse beaucoup, donc pour que le jeu soit sympa avec moi, non, ça serait cool. Par contre, j'ai des micro lags comme ça, je sais pas pourquoi. Ça, c'est pas des drops, non. Pas de lag, ça va. Comme ça. Ça bête à la fin du jeu. Ouais, je vais faire comme ça, c'est là. Tac. Alors là, je cours pas, hein. Ça serait chiant. Alors, je sais plus combien de sacs il me faut après, parce que c'est là la particularité de ce niveau. C'est qu'il y a des obstacles partout, il y a peut-être des pommes ou je sais pas quoi. Le jeu est vraiment en mode... Donc c'est le seul vrai casse-tête du jeu, c'est celui-là. Retrouver plein de sacs qui ne disparaissent pas. Donc ça c'est cool. Mon véritable objectif c'est de retrouver le lieu qui m'intéresse. Ça c'est pour un sac. Et ce sac là. Donc ce sac m'intéresse. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Et... Prends le sac. Prends le sac et ne cours pas avec. Donc vous avez vu, il y avait une boule qui me roulait dessus. Que ça te date. Normalement, non, là, je peux aller. Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième sac. Le sac là, il couche panier. Là, je vais avoir besoin de deux sacs. Il y en a un qui est là. Mais comme on glisse beaucoup, c'est l'enfer. Là, l'objectif c'est de faire tomber ça, de faire demi-tour. Voilà, bah, je vous reste encore. On récupère ce sac là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça aussi. Non, pas comme ça. Niaoufon! C'est ça bien, Tintin. Tant pis. Le matage est moche. Ocha. On est bon. Je peux descendre, oui je peux descendre. Hop. Le dernier sac on l'a récupère. J'aimerais tellement sauvegarder parce que là je sais que je vais me foirer ici. Bon, pour l'instant je m'en sors bien. Mais... C'est le passage le plus... L'un des deux passages les plus durs du jeu. Après j'oublie peut-être encore 2-3 trucs. Hein, mais... À chaque fois à la fin d'un niveau t'as un saut de la mort qui est vraiment chiant. Ça c'était la partie facile. Oh, ça c'est dégueulasse. Tu me le referas pas dans ce niveau, j'espère. Parce que sinon c'est la merde. On est bon. Là ça va. Et là, bah, elle vient que pourra. Hein. Oh le bâtard! Oh le jeu de merde! Il m'a fait le coup de pute à la fin! Vous avez prévu, hein, le jeu il pardonne zéro! Mais que t'es facile! Ah, c'est comme ça qu'on fait en fait. On peut pas le faire. On va chercher le truc. Là. J'ai trompé de touche, c'est la touche A. Vous avez vu comment Tintin il s'est embourbé dans la neige, à la fin il est mort. Mais faut que je fasse attention du coup au dernier saut. Alors que t'es à fond dedans, tu te prends le coup et tu tombes dans le trou en fait. Donc c'est cool. Allons. Là je pense que c'est mort là. Faut pas...
T'es fort, Quentin. Allez. Ça va, après, il reste beaucoup de niveaux, donc ça va. Voilà. Donc, du coup, il faut récupérer l'autre là-haut. C'est trop. Ah, j'ai peut-être abusé du sauvegarde rapide. Faire toutes mes vies sur ce niveau de mort. Je peux le faire dans l'ordre, hein. Je commence par plus chiant et après je m'occupe du plus simple. Hein. Ça va pas gagner du temps. Putain, j'ai eu du cul. Ça se joue vraiment peu que j'ai failli mourir de la chute. Évidemment, faut que j'aille chercher l'autre. Mon coup de mourir à la fin du niveau, quoi. Je me rappelle qu'il y a un niveau qui va être rigolo aussi. Avec la même musique de merde. Mais ça va, les niveaux comme ça, j'adore après. Celui-là, c'est vraiment le cauchemar. C'est vraiment le niveau traumatisant. Le niveau d'après, je l'adore, sauf un saut. Il n'y a qu'un saut que j'aime pas. Évidemment, je vais la faire en mode sauvegarde rapide. Hop là, on est bon. Enfin, je rappelle que je peux descendre normalement. Et là, celui-là. Et on reprend les sauts de merde. C'est pas grave, si je me prends des dégâts, c'est pas très grave. C'est surtout le dernier saut, il faut que je fasse gaffe. C'est ça par exemple, c'est le coup de pute. Vu tout à l'heure. Donc, faut imaginer, je crois qu'en difficulté supérieure, il y en a beaucoup plus des trucs comme ça. Genre ici. Je crois qu'ici, il y en avait un. Et ils l'ont pas mis, donc c'est sympa. Donc là, ben, faut faire gaffe. Donc tu te prends le coup et t'es mort. Il va falloir que je fasse gaffe. Putain, il coûte plus d'or. Alors, le deuxième code, rappelez-vous, c'est ce code-là dont j'avais parlé. Donc, on arrive justement. Donc, Milou me montre une grotte. Truc qui dure normalement 15 secondes à tout péter. Ouais, allez, 10-15 secondes. Dans la version animée, et bah dans le jeu, on va avoir tout un niveau dans cette grotte. Alors 4 vies, ouais, j'ai bien fait de regarder là. Comme ça, si je meurs, j'ai 4 vies. Donc voilà, mon objectif, c'est d'atteindre cette boule là, comme pour le tour de neige. La différence, c'est que là, le niveau précédent était le dernier niveau, entre guillemets, dernier niveau glace. Donc là, je suis revenu sur un mécanisme plutôt sympa. Alors, c'est un labyrinthe, c'est le plus grand labyrinthe du jeu, je crois, celui-là. Alors, celui-là. On va pouvoir en faire un peu gaffe. Là, je peux pas y aller. Hein. Attention que ça ne saute pas. Attention à tout. Hein. Alors, je le connais par cœur. C'est pas ce caillou-là qu'il nous faut. Celui-là. Ah ouais, il faut faire tout un tralala pour pouvoir l'atteindre. Alors en marchant, normalement, je ne prends pas de dégâts. C'est en courant que ça anticipe la course. Et là, on va arriver à un passage. Donc, c'est celui-là. Premier caillou permet d'aller chercher le deuxième. C'est ça. Et le deuxième caillou permet de grimper là-haut.
Le caillou est détruit définitivement quand on s'occupe de ça. Donc du coup, on ne le retrouvera plus. Pour récupérer la boule ici. Qui me permet de redescendre. Là, en plus, il y a plein d'obstacles ici. Ça va être rigolo. Hop. Je fais attention. Même plus, il y a des chauves-souris ici. Normalement, là, il y a une chauve-souris, je crois. Dans la difficulté supérieure. Le dernier. Je sais qu'il y en a trois. Ah, il n'y en a pas trois. Ah merde, j'ai oublié un peu. Ah, il est où mon caillou? C'est vrai, c'est avec un... Ah, il est où mon... J'ai perdu mon caillou. Où est mon caillou? Merde, voilà, ça m'a pris. Merde. C'est trop vite. Là, je l'ai plus, ça c'est normal. Putain, mais j'enchaîne les dégâts comme un débile, là. J'arrête, hein. Tiens, tiens. Tout esquiver et du coup je me fais avoir. J'ai perdu mon caillou. Ça c'est pas bien. Où est mon caillou? Alors là par contre ça va être chiant. Mais putain de merde! Je fais du caca maintenant. Ça va venir. Fois, hein. Non, je l'ai fait avec un caillou et là je le fais plus du tout. Je tremble. Bon, où est-ce que j'ai merdé? Je crois que c'est là que j'ai merdé. Ok, c'est là que j'ai merdé. Ça va, je connais. C'est une pomme à l'arrivée. Voilà, il est là mon caillou. Oh, il fallait que je me rappelle. Hein. Attends, la même, mais avec le caillou. Il n'y a pas d'obstacle. Hop là. Là, il était censé y avoir une chauve-souris et tout. C'est un bordel ici. Il n'y a pas de troisième parce que voilà. Donc du coup, on va pouvoir remonter ici. Oh, c'est moche. Et voilà. Le début du niveau, c'était là, rappelez-vous. Tout ça pour avoir la boule ici, tout ce que j'ai fait. Bon, allez là. Maintenant, le saut de la mort du niveau. Évidemment, ça repop. Ah, celui-là, ça c'est cool. L'autre, il repop. Je peux tout garder s'il vous plaît parce que ce saut là c'est un saut ultra dur. Parce que je dois le faire en marchant, c'est l'un des sauts les plus durs du jeu. C'est vraiment poil de cul. C'est pas grave, il y a les mots de passe et tout. Tout va bien. Attends, on fait comme si je faisais le jeu en legit, d'accord? Du coup on va tout se retaper. Donc... Ah, trop tôt. My bad. Alors très important, c'est ce caillou que je veux mettre sur le piédestal. Pas l'autre. Je veux le mettre là. On va arriver au dernier niveau. Le jeu va à ses derniers retranchements, ça va être trop drôle. Hop 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 hop. Toi tu restes là au cas où. Comme ça, si ce caillou utilise le truc et que je retombe par accident ici, maintenant que je connais le niveau à peu près par cœur. C'est vrai que j'avais oublié un ou deux trucs.
Je crois que j'ai oublié que j'ai un peu de temps entre les deux sauts. Alors, quand j'étais petit, ce niveau je le faisais tellement rapidement, la musique a eu le temps de faire sa boucle une fois que j'avais fini le niveau. Alors, vous faites ça vite et bien, ça va tout seul. En difficulté facile, parce qu'en difficulté dure, il y a beaucoup plus d'obstacles, tu fais plus attention à ta vie. Deux fois, hein. C'est pas grave, c'est juste un PV. De toute façon, on arrive bientôt à la fin, les PV, tu repères après. Allez, deuxième tentative, le saut de la mort. Il est passé. Le try. Parfait. Oh, le dernier truc. Donc là, Tintin voit une sorte de tombe avec marqué Chang dessus, enfin une pierre où il y a marqué Chang. Et bah, Tintin comprend que Chang a réussi à quitter l'épave comme ça. Donc. Vous voyez cette pierre? C'est la preuve que Chang a survécu à l'accident. Oui, parce que sinon il n'aurait pas marqué Chang. Mais c'est Chang être vivant, ou lui être maintenant. Nous plus pouvoir le retrouver. C'est le bon sens même, fiston. Il faut renoncer. Vous avez raison. Nous prendrons demain la route du retour. Et le lendemain, matin, alors, vous venez, Tintin, oui ou non? Stop! Attendez, capitaine. Je vois quelque chose sur cette paroi. Voyez, là, une écharpe. Une écharpe jaune, accrochée à un rocher. On ne peut pas voir, ça en aurait dedans. La vieille télé. C'est bien la preuve que Chang est vivant. Il nous a lui-même indiqué la route pour le retrouver. En avant! Non, Sahib. Moi, pas continuer. Moi. Certain, Chang mort. Mais l'écharpe, Tarkei. Pas preuve, Sahib. Et vous, capitaine? C'est de la folie, mais je vous accompagne. Bon, j'ai tellement mal fait. Et on va arriver à mon niveau préféré. Nous aussi, voilà. Il reste 4 niveaux. Ouais, il reste 4 niveaux. Donc là, je vais abuser des sauvegardes rapides parce que, bon... Alors, petite anecdote sur Genshin, vous vous souvenez à chaque fois qu'il y avait de l'escalade, à quoi ça me faisait penser? Je parlais beaucoup de phases Tintin Outiné à chaque fois. Et ben nous y sommes, c'est ce niveau. Et vous pouvez constater en bas à droite, il y a un petit timer de 15, parce que oui, ils ont été réalistes sur ce coup-là. Alors je pense que exceptionnellement, je vais peut-être faire exprès de mourir partout, donc, parce que je vais vous montrer que c'est un niveau à labyrinthe, et la musique j'adore avec. Donc voilà, le principe c'est que Tintin, bah, il a plus son anorak, ça c'est qui est rigolo, hein. Vous avez pas fait attention depuis le début. Et je peux même pas savoir si c'était de la neige ou des nuages, mais en tout cas, normalement, voilà, vous pouvez grimper. Le timer va diminuer en bas à droite. Et si vous n'avez pas... Ah, si vous n'êtes pas retourné là-dessus à la fin du timer, et bah vous tombez, vous mourrez. Deuxième chose, et je vais vous le montrer exprès, hein, c'est vraiment pour faire exprès. Si vous touchez un nuage... Bah ça va, là ça a pu.
Voilà. Bon, on n'a rien vu, hein, je l'ai fait exprès. Et donc là, l'objectif, c'est d'atteindre l'écharpe. Où est l'écharpe? Merde-toi. Je vais vous montrer les mauvaises et le bon chemin, d'accord? Le bon chemin, c'est en haut, mais vous me rappelez ce qu'il y a à droite. Pour voir à quel point le jeu est coup de pute. Alors ça, c'est des trucs que faut faire attention. Voilà, donc pas tout trop patienter. Et en plus, c'est poil de cul, je crois. Donc là, vous vous dites, ouais, je peux sauter, on peut, hein. Parce que le jeu va vous forcer à faire des sauts comme ça. Ne le faites pas, c'est pas le bon chemin. Enfin, le jeu est quand même sympa, il est sympa de temps. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. 5. Ça va, il y a un petit bip 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 bip. Alors, normalement, c'est en haut. C'est là. C'est là. Voilà. Beaucoup plus sympa à sauter. Et en plus, pour l'instant, on est sur un saut très sympa. Et en plus de ça, regardez les saligots. Ils ont mis un petit truc comme ça. Ça veut dire que si je reste trop longtemps, eh ben je meurs. Là-haut, c'est un cul-de-sac. Je crois qu'il n'y a rien du tout et vous mourrez. Normalement, on va redescendre si je ne me trompe pas. Non, on va redescendre. Ok. On va aller en haut à droite. Je sais plus. Ah, évidemment, on pouvait faire ça. Ça fait cool. Donc, genre, je me rappelle plus ça. Bon, on va la faire sans temps. Tranquille, tranquille. Alors, c'est pas comme ça qu'on le fait normalement, mais. Normalement, on pouvait sauter directement de l'un. À gauche, je crois. Ah, c'est bon. Ah. Ça faut. C'est gentil, mais. Pour vous montrer que vous pouvez. On prend d'élan et on remonte. On fait attention de ne pas toucher les nuages, sinon vous êtes mort. On fait attention, il y a des rochers partout qui peuvent vous tomber sur la gueule. Aïe! Après, je fais gaffe. 1, 2, 3. 1, 2. Je sais plus du tout par où passer. En haut, peut-être. Oh, skip. Je sais plus du tout. Skip ça, je peux faire redescendre. Aïe! À droite. Ouais, tu esquives. Trop tard. Quand tu veux. Là, c'est vraiment à l'instinct. Je sais plus du tout. Oh bah c'est bon. Je sais pas ce que c'est ces trucs d'étincelles. Quelqu'un qui fait des travaux derrière. Alors on est presque arrivé. Parce qu'arriver c'est encore. C'est plus du tout si je peux redescendre. Aïe! C'est pas grave, c'est pas grave. Oh putain. Poil de cul, poil de cul, poil de cul, poil de cul, écharpe. Oh, first try, c'est incroyable. Je vous ai pas montré tous les trucs en fait, hein. Mais je vous ai montré le bon chemin. De souvenir, je pensais pas y arriver du premier coup comme ça. Mais ça va. Bon, en vrai, j'ai perdu une vie juste pour vous montrer. Bon. On rappelle qu'à partir de là, vous avez vu tous les trucs chiants que j'ai fait jusqu'à maintenant, la grotte, ça. Je perds toutes mes vies et normalement je recommence au code. Alors, deuxième niveau, alors celui-là il est rigolo. Faut juste faire extrêmement attention parce que en fait, voilà, il y a une tempête qui vous donne un boost et vous avez la tempête qui vous ralentit. Donc, ça fait longtemps, donc j'ai perdu la fréquence.
Et il y a tout qui tombe par la gueule. Non, pas tout de suite. On va attendre un peu parce que je sais plus si c'est là que... Là, on a besoin vraiment du saut avec les boosts. Et il y a des passages secrets, donc je vais vous montrer. Enfin, tu te fais avoir parce que le vent va de l'autre côté. C'est pas là. Enfin, attention. Premier passage secret. Alors, le passage secret vous donne une pomme ou une vie, je sais plus. Pas intérêt à le faire. Voilà. Je ne veux pas vous montrer le truc, mais voilà. Et ça, faut le savoir qu'on peut passer comme ça. Que le jeu, il te le dit pas. Évidemment, il faut faire attention parce qu'on peut redescendre et recommencer le truc. On évite l'autre côté. On va faire un normal. Merde. C'est bon. Non, je suis trop fort. Comment j'ai fait ça? J'ai de beaux restes. J'ai de très beaux restes, ça c'était beau. Ah, c'est là. Donc là, bah, plus de sac, donc par réflexe, tu le fais comme ça. Donc là, pas le choix, on est obligé de le faire. Je vais pas tomber, hein. Pas tomber, hein. Voilà, je suis obligé de me prendre des coups. Ça va être compliqué le prochain niveau sans aucune vie. Là, je vous safe. Hein. Je vous très safe. Alors, je fais attention parce que voilà, il y avait le piège à la fin, quoi, je me rappelle très bien. Ah non, t'as vrai que je pensais qu'il abandonnait à ce moment-là, mais en fait, il suit jusque-là. 3 jours de marche et une lamasserie. Nous sommes sauvés. Bienvenue dans ce monastère. Tu as bravé bien des dangers pour sauver ton ami. Mais tu dois maintenant rentrer. Sans Chang, hélas. Donc là, on arrive dans le fameux monastère, et si vous vous souvenez, il y a une scène qu'on va devoir vivre. Et donc, pour moi, ce niveau, c'est cool que sur Game Boy, il y a temps illimité, parce que comme vous pouvez le voir, voilà. Alors je sais pas ce qui se passe sur Mega Drive, mais enchaîner les second et premier plan, un cauchemar. Par contre, je vais avoir un problème pour le premier niveau, parce que là, c'est plein de petits niveaux de mini-jeux. Qui va vous montrer pourquoi, par exemple, je vais l'expliquer en temps et en heure, pourquoi il y a un niveau dans 4L que je m'en suis bien sorti, pourquoi hier sur Genshin Impact, le truc de musique c'était un entraînement, parce que c'est dans ce niveau que ça se passe, et plein d'autres trucs. Parce que c'est ce niveau qui m'a donné ce fameux don d'oreille musicale, parce que putain, le niveau d'enfer. Autre précision, chaque mini-jeu est beaucoup plus dur en fonction de la difficulté. En difficulté facile, ça devrait aller. Sauf le premier niveau parce que je vais rien entendre. Celui-là, ça va être chiant. Il va y avoir des sauvegardes sur chaque mini-jeu. Hein. Joins-toi à nous et reproduis notre rythme. On écoute. Ok, le jeu a été ultra sympa de rajouter juste une note parce que généralement les rythmes changent. Et en niveau normal et difficile, il y a beaucoup plus de notes. Enfin, je dis beaucoup plus, il y a genre 4-5 notes maximum en mode difficile, je crois. Et si tu te plantes, bah tu recommences. Donc sauvegarde, hein, je vais sauvegarder à chaque niveau. Donc c'est l'un des deux niveaux, enfin des 2-3 niveaux qui me stressaient quand j'étais petit. Le deuxième est aussi stressant, mais je pense qu'à mon âge, ça va être beaucoup plus simple. Le jeu des symboles. Peux-tu remettre ces signes dans le bon ordre? Ah, attention, faut pas cligner des yeux. Hein. Jeu de mémoire. Ah, ça va, il laisse le temps. Tac, tac, tac.
Je sais pas du tout. Oh, ça me fait avoir. Ça, c'était pas là. Ça, c'était au bout. On me dit pas que c'est les 3X. Il y en avait un là sûr. Je me suis fait avoir. Désolé. Ah, c'est beaucoup plus simple quand on est adulte. C'est surtout les 3 disques qu'il faut que je fasse gaffe. Mais bad. Ok, 3 trucs, Ça devrait aller tout seul. 3 ronds. Avoir mis les 3 disques, c'est chiant. 3 en plus, 3 un truc. 3 en plus là. Au milieu. Et je sais plus du tout les 4. Ok, ok. Ça fait 1 sur 3. Il reste 2. Ok, les 3 disques sont là, les 4 symboles sont là. Ok. Vous avez vu le nombre de symboles quand même? Il y a 7 symboles à retenir. Croix plus croix, truc, disque, étoile. Ouh. Tu m'as eu! Non. C'est lequel des deux? On fait croix plus croix, truc, disque. Ça, ça va là. Et toi en premier? Non, c'était ça. Heureusement qu'on a le droit à l'erreur. Croix, croix plus, disque, ça, ça va. Étoile, truc, ok. Oh. 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 Alors, vous avez vu le temps que j'avais en facile? En dur, il y a beaucoup moins de temps. Je crois que j'avais 50, je crois, là, et, ou 30, et dans celui-là, j'ai 20 ou 10 secondes. Bon, j'ai fait le plus chiant. Enfin, presque, il y a encore deux mini-jeux. Le prochain, bah, si je perds, mon mois du passé aura honte de mon mois du présent. D'ailleurs, petite particularité. Vous vous souvenez, dans 4e, il y avait une catégorie d'énigmes dans lequel il fallait replacer... des maisons selon leur couleur, ils étaient des couleurs dans le désordre et il fallait placer par dalle, vous savez, en mettant correctement. Je m'en suis bien sorti, hein, vous vous souvenez? Je sais plus le nom des énigmes en question. Et ben, c'est ce mini-jeu qui m'a permis de maîtriser, vous allez voir. C'est beaucoup plus dur celui-là que en 4e. Donc rangez les livres. Peux-tu m'aider à ranger notre bibliothèque? C'est parti. Alors, comme ça. Comme ça. Non, comme ça, j'ai dit. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, tu... Non. Toi, tu viens là. 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 Non, ça, je me plante. Toi, tu viens là. C'est mieux. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens là. Et toi, tu viens là. Ah, ça, c'est chiant, par contre. Alors, ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et ça, dans l'ordre. On va être tranquille, les croix. C'est le plus chiant, c'est ça le secret. Non. Tranquille. Bon, c'est pas le plus rapide, mais c'est mieux quand même. Ça va être chiant par contre. Alors, triangle, carré, triangle. J'ai un carré, c'est nickel. Un rond, j'ai le carré, j'ai le rond, j'ai le carré. Ça va, j'ai 4 tentatives pour réussir le dernier niveau. Et maintenant l'oreille musicale. Alors je vais vous le dire d'avance, c'est... Ce niveau-là, c'est celui où j'ai mis le plus de temps à passer parce que, franchement, il tolérante zéro le truc. Alors là, faut revoir. Avant de mettre la musique. Comment expliquer? J'avais parlé de ce passage dans Hogwarts Legacy avec un truc avec des clochettes qui est exactement le même, mais la différence, c'est que là, il n'y a pas de vie, tu as tout le temps, etc. Alors que là, il va y avoir du temps. Que la punition va être sévère et piqueur de rappel, on l'avait sur Genshin, mais Genshin Impact te guide vachement. Là, c'est la version hardcore de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant dans mes lives.
C'est-à-dire, attends, je vais pouvoir savoir combien il y a de clochettes exactement. Faut pas que je parle au gars. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cloches. Ah ouais. Je m'attendais à 6. Il y a 5 cloches. Ok? Et je vous spoil, hein, je vais vous donner les astuces d'avance et après je vais le faire parce que je vais me concentrer. Parce que c'est ultra difficile. Donc 5 cloches, vous voyez? Ok. Le mec va me filer des partitions. Le but du jeu, c'est d'en réussir 3. Et le but, c'est de rejouer les partitions avec les cloches. En mode Game Boy. Hein. C'est pas des cloches-cloches, c'est vraiment des trucs... ça y ressemble un peu, mais c'est sympa. Difficulté, les cloches sont dans le désordre. C'est-à-dire que telle cloche fait tel son, sauf que tu ne sais pas d'avance tant que tu ne l'as pas testé. Autre particularité, à chaque fois que vous faites une fausse note pendant la partition, vous recommencez à 0. On est en mode facile, normalement je dois avoir 90 secondes, enfin 90 de temps de Game Boy. Je sais pas si c'est des secondes ou pas. Mais voilà, je vais galérer à fond. Astuce, si vous faites bien attention à chaque partition, vous ne jouerez, si vous le réussissez bien, que deux fois chaque cloche. Ça veut dire que si vous avez deux fois la même note, vous pouvez éliminer cette cloche, il n'y a plus que les quatre autres à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention pendant que je vais faire le niveau en mode concentré. Je suis désolé, je ne vais pas trop parler, pour une fois. Mais la partition fonctionne comme ça. Donc j'ai jusqu'à 7 partitions, parce que j'ai le droit à 3 erreurs avant de mourir. Donc, mais je dois réussir 3 partitions. Ça fait tellement longtemps. Sachant que surtout, le piège, c'est que à la fin, tu as une chance sur 2. Et tu te plantes et tu recommences à 0. Il faut te rappeler de tout ce que tu as joué jusqu'à maintenant. Donc voilà comment on a un petit peu... cette oreille musicale un peu spéciale, mais pas en mode chaque bruit, je sais quel son ça va, parce que je n'ai pas le vocabulaire de la musique, mais j'ai des astuces qui me permettent de bien comprendre tel son et pour telle cloche. À cause de ce niveau. Ou grâce à ce niveau plutôt. Merci pour ce faux don. Reproduis cette mélodie. C'est la dernière épreuve en plus. Oh putain. Donc ça va arriver plus tard. Ok. Ok. Ah putain, c'était quel note celui-là? Ah, c'était celui-là, d'accord. Mais non, mais... trop con. Mais... je suis con. Non. C'est celui du milieu qui manque. Non, c'est tang, 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 milieu. Putain, y'a pas de double son. Ah. Ok. Une autre note. La dernière. Non, attends. Ah putain, c'est celui-là en fait. Oh merde. Ah, c'est celui-là. Oh merde, je me suis fait avoir encore. Et ça. Merde. Ah, ok. Merde. Ah, c'était celui-là, d'accord. Ah
Ah, j'y arriverai pas dessus, ouais. Coucou, docteur la pomme. Je me concentre. Hein. Désolé. Ah. Non. Doudou. Non. Mais... Putain, j'ai pas y touché celui-là. Celui-là. Non. Mais... Voilà, c'est de la mémoire, c'est de la musique, faut se rappeler, mais je suis un peu écœuré d'avoir raté le troisième. Bon, j'ai perdu au moins une vie. Au moins ça c'est fait. Et là on va arriver sur le niveau le jeu veut ta mort. Attends, c'est difficulté facile, hein. Difficulté difficile, je crois que t'as 40 secondes pour faire la partition, vous avez vu le temps que je perds quand même. Donc là on va arriver à la scène mémorable où t'as un moine qui commence à s'envoler et a des visions. Tu as où? Je vois la montagne du museau du Yarak. Une grotte, je vois le jeune garçon étendu. Qui approche? Qui donc s'approche de lui? Le mégou, c'est pas le... C'est le mégou normalement qui dit, c'est pas le Yeti, je le dis pas directement. Et justement, c'est quoi le mégou et... Le mégou, pardon. Donc, référence, j'en avais parlé. Je suis passé en speed, ouais, merci. On t'a pas vu aujourd'hui, mais c'est gentil d'être passé. Y'a pas de soucis, j'ai bientôt fini, c'est le dernier niveau après. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'avais fait une référence du Tintin au Tibet sur... là, à travers les cartes, sur les dangers, le fameux Yeti, le mégou. Et eh ben ça vient de là justement. Je le savais. Y'a pas de problème. Mais normalement voilà, y'a plus Tariq normalement à ce moment-là. C'est bizarre qu'on l'avait vu. Il a vu Chang. Il est en vie. J'en suis certain. Vous ne croyez tout de même pas un mot de cette espèce d'ascenseur. Je pars demain. 3 jours. Encore 3 jours. Ça fait un... On voit que le temps passe vite. Hein. On fait pas attention quand on est petit parce qu'on enchaîne les niveaux, mais quand on fait attention avec le script, etc. Ils ont marché pendant très longtemps pour retrouver Chang. 3 jours que nous marchons. Et voyez cette grotte, cette montagne. Cette grotte doit être celle du Yeti. Je vais aller droit à son repère et sauver Chang. Et là, je vais sauvegarder parce qu'on arrive au tout dernier niveau. Et ce niveau, c'est le niveau qui veut ta mort. Là, c'est vraiment le jeu, il arrive à tes derniers retranchements, on va te mettre toute la merde, tu vas te prendre tous les obstacles dans la gueule. Par contre, c'est le seul niveau où je préfère personnellement la version Mega Drive. Parce que la version Game Boy est un peu... Voilà, c'est le seul niveau que je trouve assez bâclé. Mais ça va. Il y a un gros piège parce qu'il y a de... Il y a de l'autoscript. Enfin, il y a de l'autoscroll, mais la première fois, tu te fais tout le temps avoir. Vous allez comprendre. En fait, la musique, elle est stylée. Autoscript. Autoscroll, pardon. Attention! Et ça, c'est le piège. C'est que l'Yeti peut arriver de l'autre côté et bah tu fonces dessus et tu meurs. Et regardez bien, alors là j'ai de la chance parce qu'il n'y avait pas de cailloux ou rien, mais regardez au-dessus, il y a des sortes de ça. En mode difficile, tous les trous comme ça, il y a un obstacle. Donc là, il n'y a pas. Donc ici, ouais, là. Là, ça tombe aussi. Là, il y avait un truc... Enfin, il y a vraiment 1 milliard d'obstacles, c'est la mort. Le jeu veut ta mort, hein. La preuve. Faut savoir, on est en mode facile, apparemment il y a beaucoup moins d'obstacles. Là normalement il y a un truc qui tombe dessus. On va se profiter un peu de la musique parce qu'elle est stylée aussi. On va savoir.
bientôt à la fin. Ici. Ah oui, là il arrive, je sais pas d'où. Bon, vas-y. Il arrive en face. Ok. Bon, je finis le jeu, c'est bon. Enfin, presque. Le jeu, vraiment, il veut très bien. Normalement. Ah si, il y a encore une phase comme ça, d'accord. Je sais plus s'il me rattaque derrière. Ah! Ah, vous voyez ça? Cette plateforme, je la connais par cœur. C'est la dernière plateforme du jeu. Et je dis bien la dernière, en mode difficile. Vous voyez ça? Elle n'existe pas en mode difficile. C'est-à-dire qu'on arrive sur le dernier vraiment vrai saut de la mort. Qui est une rampe de merde comme ça. Je l'ai réussi qu'une fois dans ma vie en mode difficile. Imaginez ce saut, hein. Hardcore. C'est fini! C'est le mode facile. Ça va, c'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Chunk, Chunk, c'est moi! C'est Tintin! Je vais vous raconter toute mon histoire. Bon, ça spoil, hein, je suis désolé. J'avais donc pris l'avion pour Katmandou. Nous avons été plongés dans une violente tempête. Et tout à coup, il y a eu un choc terrible. Je me retrouvais étendu, dans la neige. Je cherchais un refuge. Là, je me suis évanoui. Dans la pénombre d'une grotte, deux yeux me regardaient. Le Yeti m'apportait de la nourriture. J'ai repris des forces. L'idée m'est venue de graver mon nom sur une pierre. Un matin, le Yeti m'a emporté. J'ai jeté mon écharpe jaune. Mon écharpe jaune, c'est un dora, le truc. J'ai jeté mon écharpe jaune dans le vide, avec l'espoir que l'on me retrouve. Ainsi, on a pu te retrouver. Oh, c'était rapide. Mais faut quand même encore avouer, je le répète encore. J'ai eu de très très beaux restes. Mais oui, c'est un jeu rétro ultra difficile, mais parce que j'y ai déjà joué et rejoué, voilà. C'est le problème majeur de moi-même, c'est que quand je connais assez bien le jeu, ben, je peux le rusher facile parce que je sais par cœur. Enfin, presque par cœur, j'ai raté 2-3 trucs. Hein. Mais il y a des niveaux que ça marque quand même. Et donc ça lance la fameuse légende du Yeti, est-ce qu'il existe vraiment ou pas. Bon, ben, voilà, on en avait parlé, comme j'ai dit. Sur la chaîne Utopia Rainbow, dans à travers les cartes sur qui parle des dungeons et plus précisément du passage avec le Yeti. Sachant que les dungeons font référence à d'autres coutumes, d'autres légendes, créatures mythiques. Voilà, donc voilà, c'était le petit stream de tente sur Tintin au Tibet, sur d'occuper un peu. Un jeu de mon enfance, enfin plutôt celle de ma soeur, surtout que c'est son jeu, je rappelle. Même si je l'ai, hein, je le remontre une dernière fois. Hein. Il est là pour bien montrer pourquoi j'étais aussi voilà, j'ai de beaux restes de ça avec la Game Boy en noir et blanc puis en couleur. Bon, bah j'ai pas pu vous montrer en couleur parce que je suis nul avec l'émulateur. La vérité, la flemme, mais c'est pas très grave. Voilà, je peux aussi faire autre chose si vous voulez que je vous avais montré tout à l'heure. Je vais juste relancer vite fait l'émulateur. Pour vous prouver que le mot de passe est toujours là, hein. Rappelez-vous, je l'avais fait.
Ça, si vous voulez voir les niveaux en facile, vous avez les deux codes, mais c'est surtout le dernier que je me rappelle le plus. Plus que je me rappelle, voilà. Regarde, vous ne mentez pas. Hein. Haut, haut, de haut, de haut, bas. Et on est dans la grotte. C'est pas le numéro que je retenais, c'était le sens de monter et descendre. Par contre, le premier mot de passe qu'on a vu il y a quelques dizaines de minutes, je me rappelle plus. Mais celui-là, par cœur. Par contre, je me rappelle plus du tout des codes en mode normal et difficile, donc ça doit regarder sur les sites internet, etc. Mais comme j'ai dit, les obstacles, c'est pas la même. Je vais d'ailleurs vous montrer. Je suis bête, je peux faire comme ça, non? Pas open. Comment on fait ça? C'est pas grave. Je ne maîtrise pas l'émulateur, je suis désolé. Je vais vous prouver que c'est plus difficile en dur. Rien que pour le premier niveau, pour voir la différence. Je vous fais juste le premier niveau. Là, je vais avoir moins de bourrées. Je suis obligé de le faire. Dur. Appuie sur Star. Passer cet obstacle quand même ou pas, c'est cool. Et là il n'y a pas de pomme. Déjà première différence avec le mode dur. Ah c'est bizarre, je pensais que j'avais moins de vie. Donc ça doit être dans Astérix que j'ai moins de vie en fait. Désolé, je croyais. Là ben il n'y a plus les petites failles qui me sauvent. Hein. Rappelez-vous en facile. Et je vais vous faire aussi après le niveau de la mort de. Après là ça change pas, on va pas trouver se faire plus dur comme ça. De toute façon il n'y avait pas moi. Il va vraiment falloir que je fasse gaffe parce que là c'est... Je vais regarder s'il n'y a pas un truc. Ah ça va. C'est vraiment dur là. Oh oui, c'est vraiment dur. On n'avait pas le troisième ici. Je vous jure que ça, vous ne faites pas comme ça. Hein. Regardez ça, les fourbes. Ah, il y a un truc ici. Ah, non, c'est bon. D'ailleurs. Putain, je me suis pris zéro, c'est tout. Montre qu'il y a plus de serveurs, qu'il y a plus de d'ennemis. C'est ça le problème. C'est un petit lag de ma part, c'est mon PC. Pour passer en dessous. Je vais voir si j'ai quand même le skill de pouvoir passer par au-dessus. Bon, pas tout de suite, on va aller tranquille. Regardez déjà. Là, il y a déjà un chien alors qu'on l'avait pas vu tout à l'heure. Ça y était, hein, celui-là y était. Blablabla, troisième étage. Alors je vais vous montrer la différence d'ailleurs. Je vais me dépêcher parce que mon PC il en fait. On peut le faire dans l'autre sens, donc vous allez aller au quatrième étage. Donc là c'est le fameux des C3, voilà. Là, hop, on va descendre au troisième étage. Je crois que le gars il était à gauche. Qu'il y avait pas. Là c'est un serveur ici. On veut plus. Ouais c'est lui. Premier étage. Allez. L'étage c'est à droite. À gauche. Alors là, je vais la tenter parce que normalement on peut le passer, mais il faut vraiment du pixel parfait. Un pixel parfait, j'ai vu. Par exemple, là c'est bon. Parfait. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Ça passe nickel. Dans le restaurant, allez.
Bon, la méthode safe, c'est ça. Mais voilà, quand j'étais petit, c'était comme ça que je passais les serveurs parce que je savais pas qu'on pouvait passer par en dessous. Je suis tombé dans ce piège. Voilà, resto, c'est là-haut. Le capitaine Haddock ne peut pas être dans le resto. On est obligé de parler au PNJ qui est juste là. Petite astuce. Quatrième étage, chambre 1. Ok. Et juste à côté de la télé. Sauf qu'il y a un petit discours différent. Hop là. Bien chaud, mais j'ai un peu la flemme de le faire. Normalement, il est juste là. Et donc là, le discours. Attends, j'ai une lettre de Hong Kong pour vous. Merci, capitaine. Cette chambre, quelle coïncidence. Évidemment. Et que vous veut-il votre Chang? Chang, capitaine, il m'annonce son arrivée. Après une escale à Katmandou. Mais l'avion qui s'est écrasé au Népal, c'est celui de Chang. Chang est mort. Quelle terrible nouvelle. C'est le même corps que son Mega Drive. Non, depuis. J'ai besoin d'être seul dans un moment, je vais dans ma chambre. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas le faire le mode dur plus longtemps. Donc là, il y a plus d'ouvriers avec leurs gros trucs en planches en bois. Il y a plus de poules. Il y a plus de trucs qui tombent dessus. Il y a juste après le passage avec Milou. Faut courir extrêmement vite parce que sinon, c'est la mort avec des obstacles encore plus nombreux. Enfin, voilà. Vous avez compris, le jeu est plus dur quand même. Même si ça se voit pas au premier abord parce que j'ai quand même de beaux restes. Mais... il y a moyen d'avoir un peu de challenge. Hein. Mais pas autant que la Mega Drive, dans lequel je trouve que le fait que tu as un certain temps pour finir le niveau, je trouve ça très vache. Voilà, c'est ce seul point gros négatif que je peux dire de cette version que j'ai pas pu jouer. Mais bon, je suis très fier d'avoir eu cette version plus sympa, plus bâclée, on pourrait dire, pour certains niveaux. Mais franchement, moi, à part le dernier niveau... qui est comparable à la Mega Drive, je trouve que le jeu est excellent. C'est un bon Tintin motivé. J'ai encore deux jeux Infogrames, dont je vais montrer la taille. Plus tard, j'ai aussi celui-là. Un Lucky Luke. Avec le dernier niveau et un passage en particulier qui est trop chiant. Mais sinon, ouais, c'est assez rigolo, je pourrais le refaire. Il y a vraiment des niveaux parfois dans ce jeu avec plein de secrets. Là on est sur des jeux à patounes aussi, comme dans la série, c'est un petit peu jeu à patounes. Comme le dirait JDG, je parle beaucoup de JDG aujourd'hui. Mais bon, je suis désolé, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'était le petit stream détente. Finalement ça s'est bien passé. J'ai tout fait first try en vrai. Même en faisant exprès de perdre une vie, j'ai eu suffisamment de vie pour le faire d'une traite. Ça, je crois que c'est la première fois que je le fais. Je suis avec les codes. Je suis pas doué, au bout d'un moment je passe, mais... Vous avez vu que le jeu en difficile, c'est jouable, mais après c'est du parkourisme. Une fois que j'ai fait ça une première fois, voilà, je suis chaud. Mais je le ferai pas, je suis désolé. Du coup, on va reprendre nos rendez-vous habituels, désolé. Hein, mais bonne chose en une fois, moi j'ai apprécié quand même ce passage. Et on va se retrouver du coup lundi pour la suite du let's play d'un jeu que je connais pas. Et c'est la différence, c'est que je maîtrise clairement pas le truc. Du coup, je m'énerve pour rien, voilà, c'est ce qui se passe. Un jeu que je connais, ça va, faut juste une petite piqûre de rappel et ça va tout seul. Mais les nouveaux jeux que je connais pas, ben à chaque fois, ben je maîtrise pas et du coup, ben je m'énerve tout seul. Donc c'est le cas dans Hogwarts Legacy, j'espère qu'il n'y aura pas de truc de balai. Et ben, suite de l'histoire, troisième épreuve. Ah oui, c'est vrai, j'ai bombardé, ça devrait aller. On se retrouve ensuite mercredi pour notre séance Isaac la Grande Mésaventure, où cette fois je vais pas faire du random, je pense que je vais me focaliser sur Isaac pour débloquer un truc en particulier, parce que je l'ai raté la dernière fois. Et après un petit peu de recherche, il faut absolument que je termine Isaac sur une des fins très importantes. En vrai, c'est pour débloquer un perso. J'en dirai plus le moment venu. On se retrouve vendredi pour notre séance Genshin Impact Inventor Compagnon. Je finis l'event avec Arataki Ito sur une base de musique, mais le nom est tellement long et déjà que j'ai du mal avec les noms. Hein. Si en plus les noms sont longs, c'est mort. Et enfin, on se retrouve samedi prochain. Là, ce sera un stream détente Genshin Impact. Voilà, sur ce, c'était Tintin TV. Moi, je vous dis bonne nuit plus. Ciao, c'est Jean.